Express yourself. Ok, ok. Je me rends sur la page YouTube ce matin et je me dis cool, ça commence à bien se remplir, mais stupeur, encore aucune vidéo pour les bassistes. Et je suis retombé récemment sur ce morceau qui s'appelle Express Yourself de Charles Wright. Et il y a une suite au nom de l'auteur, mais qui dure 3 pages et demie, donc je vous laisserai taper Charles Wright et YouTube vous dira la suite. Une super ligne de basse qui groove la mort et qu'on peut faire tourner longtemps et ça rend content. Deux parties. La partie principale, celle du couplet, et une partie qu'on va appeler le pont. Alors, je vous l'ai joué dans l'intro, je vous la rejoue un coup à vraie vitesse. Et je vous mettrai la petite tablature en surimpression, je sais pas comment dire, par-dessus moi. Donc voilà, on détaille. Donc on va commencer sur un mi bémol. Un mi bémol, donc case 8 de la corde de sol. On va faire en fait un mouvement d'octave inverse. On va commencer par l'aigu et ensuite on va rejoindre le grave. On va se servir pour cela de l'auriculaire et de l'index. Ta, tom, ta. Ok. Ta, tom. Pour l'instant, on a juste besoin de ça. Mi bémol, mi bémol, mi bémol. Ok. Derrière cette deuxième note aiguë, on va enchaîner très rapidement avec ça. Ok. Donc on a 8, 6, 8, 5, 6, 8. Au niveau des doigts que j'utilise, j'ai auriculaire, index, majeur, auriculaire. Na, bom, ta, da, da, ta. Ok. Ensuite, l'index est déjà bien placé parce qu'en fait, on va retourner sur la case 5. Ça va faire. Ok. Ensuite, on va avoir une espèce de mouvement d'interrupteur avec le majeur. Là. Comme vous voyez, on va avoir des 6-6. Ça va donner ça. Et le do-dum. Je fais ça au majeur. Je barre pas vraiment en fait, la case 6. J'appuie sur ma corde de la, puis je viens en gros ramener le majeur pour qu'il se couche également sur la corde de ré. Mais je barre pas dès le début pour économiser de la force. Ok, ce do-dum qu'on vient de faire, on va le refaire directement dans la foulée avant de repartir. Ça fait. Tout-ta, tout-ta, ta-ta-ta. Donc on a 6-6, 6-6, 5-8-8. Ok, donc le 6-6, 6-6, 5, on reprend l'index pour ce 5 là, et on va avoir le même principe de je barre pas vraiment, je couche le doigt pour avoir les 8-8, et là je m'en sors avec le petit doigt. Donc là, pareil, uniquement sur la corde de la, et je le rabats sur la corde de ré. Toute la ligne du couplet en entier, mais plus lent que le vrai. 3, 4... Ah pardon. Et je fais n'importe. J'avais oublié les petits 5-8-5-8 qui relancent en fait à la fin ce truc là. Donc 5-8-5 entre l'index et l'auriculaire, le 8 d'au-dessus l'auriculaire, et en fait il va être beaucoup sollicité notre petit doigt parce que c'est aussi lui qui repart derrière, ça va faire. Voilà, il réattaque également sur cette case 8 corde de sol pour relancer le truc. Donc là, à la fin, il est soumis à rude épreuve. Express yourself. Ok, on se leur fait un petit coup par-dessus les drums. Alors, la vraie vitesse de ce morceau, c'est 92 BPM. N'hésitez pas à le prendre plus lentement. Mettez-vous un métronome, commencez à 70. Et puis, petit à petit, allez vers le vrai tempo. Je vous rappelle que vous pouvez aussi ralentir les morceaux sur YouTube, là, dans l'onglet paramètres.
Donc n'hésitez pas à le faire, vous allez taper Express Yourself de Charles Wright et vous mettez le morceau à 75% et vous jouez le. Oh ouais. Oh ouais. Et c'est reparti, on se le fait un petit coup à vraie vitesse par-dessus la batterie pour le kiff. Et 1, 2, and 3, and 4. Ok. Donc dans ce morceau, il y a deux parties. La partie donc du couplet qu'on vient de faire et la partie du pont when it's not what you're doing when you're doing what you're doing etc. Donc je vais faire une petite pause pour me ralentir mon tempo. Je vous reprends tout de suite. Ok, me voilà avec une batterie un petit peu plus lente pour faire ce pont là. Donc il va avoir un rythme syncopé tout à fait sympathique, mais c'est un coup à prendre. On va entamer en fait sur le deuxième temps. Ça va faire 1, 2, 3, 4, rien, 4, 4, 3, 4, 6, 4, 4, 3, 4, 6, 3, 4, rien, 4, 4, 3, 4, 6, 6, 6, 5, 6, 8, express yourself, et ça repart. Alors, on se le refait, 1, 2, 3, 4, rien, 4, 4, 3, 4, 6, 4, 4, 3, 4, 6, 3, 4, rien, 4, 4, 3, 4, 6, 6, 6, 5, 6, 8, express yourself, express yourself. Allez, on le refait une dernière fois, et rien, 4, 4, 3, 4, 6, 4, 4, 3, 4, 6, 4, rien, 4, 4, 3, 4, 6, 6, 6, 5, 6, 1. Ok, faisons un petit point maintenant sur l'harmonie de ce morceau. Nous sommes en mi bémol majeur. C'est-à-dire, alors, on ne les fait pas souvent les positions de gamme majeure en partant de la deuxième corde, donc tiens, c'est l'occasion. Nous allons avoir 8, pas du tout, c'est une case 6, pardon, 6, donc sur la corde de la, c'est mi bémol, ça fait 6, 8. 5, 6, 8, 5, 7, 8. 6, 8, 5, 6, 8, 5, 7, 8. Voilà la position de mi bémol majeur en partant de la corde de la. Quasiment toutes les notes de cette gamme sont phrasées dans le. Ok, si je vous raconte ça, c'est parce que dans un morceau funk comme celui-ci, qui fait beaucoup de fois le tour, beaucoup de fois la boucle, on a peut-être parfois envie de sortir du cadre imposé par la ligne de basse pour faire ce qu'on appelle des feels, et donc improviser un petit peu. Donc on a déjà ce réservoir de notes là, dans lequel on va pouvoir venir piocher si jamais on veut improviser. Donc ça c'est pour la gamme majeure. Et donc on a aussi appris à improviser en pentatonique mineure, et donc chaque gamme majeure a une gamme mineure qui lui est relative. La technique, on retrouve mi bémol sur la grosse corde, sur la corde de mi, donc c'est facile. On va avoir un mi case 12, donc on aura notre mi bémol case 11. Et là je recule d'une tierce mineure, c'est-à-dire que je recule de 3 cases, et je vais trouver ma gamme pentatonique mineure. Donc à partir de là, c'est également des notes, bon c'est les mêmes, enfin un peu de choses près, dont je vais pouvoir me servir pour improviser. Donc nous sommes, si je ne dis pas de bêtises, en Do, Mi bémol, majeur et Do mineur, sont les mêmes notes. Donc vu qu'on a l'habitude de ce schéma-là, on va aussi pouvoir aller choper des notes dans celui-là. Je vous le refais, donc ça fait, au niveau des cases, nous avons 8, 11, 8, 10, 8, 10, 8, 10. Et on avait notre petite gamme majeure ici, qui faisait en partant de la corde de La, 6, 8, 5, 6, 8, 5, 7, 8. Et donc, on a déjà tout ça.
aller s'amuser un peu avec, avec notre morceau. Et je vous laisse là-dessus, je remets le morceau à vrai tempo, je fais de quelques fois les lignes de basse, un petit peu des fils, et je vous dis à tout bientôt les bassistes. Et 1, 2, 3, 4...